Donc vous vous retrouvez à nouveau dans l'entrepôt, près de la porte d'entrée arrière, la petite porte d'entrée discrète de l'entrepôt. D'accord. Donc vous voyez Billy qui revient dans un état, il a la moitié de ses vêtements déchirés, il a du sang qui plein la mâchoire, plein sur le menton, sur le nez, sur la bouche. Ouais. Et sur ses vêtements. Bon, ça y est, mon petit Billy, tu t'es calmé Billy se dirige vers son ordinateur et là, il vous regarde après avoir regardé son écran. Qu'est-ce que tu... On est dans la merde. Voilà. Ok, ben on prend nos affaires, prenez vos clés, vos téléphones, tout ce que vous avez besoin. Stop. Non. Quoi? Je reprends les serveurs. Je récupère tous les disques durs. Ça va prendre trop de temps, Billy. Et donc, rien trouvé, ma poule? Mec, c'est pas des serveurs de ouf non plus, hein, c'était... Oui, c'est du bricolage que tu as fait au fil des années, voilà. Le serveur. C'est donc, il y a quoi? Il y a 5-6 disques durs, c'est tout. Hein. Voilà, mais ils sont connectés à plusieurs autres éléments, et donc tous les débrancher te prend au moins une minute par disque dur. Ouais, on fait ça. On va se faire serrer. Non. Mais non, mais moi je dis on fout le feu. Bah ouais, au pire on crame tout. On se casse. Mmh. Ah, il faut reprendre du recul. Faut encore reculer. Il y a de l'essence dans l'entrepôt ou pas? Non. On va aller toucher les fils. Black, va siphonner de l'essence. Enfin, court-circuit. Non, court-circuit de quoi? Bah, tu dénudes deux câbles et tu fais rencontrer la masse et l'alimentation. Ouh, on sent l'experte. T'as déjà fait ça auparavant? Je suis pro dans la réparation de mon chargeur d'ordinateur, les gars. Bon, bah, tu prends. Bon, on va prendre une prise électrique alors et on va relier les deux prises et hop, ça va chauffer. Puis on va foutre des vêtements, des tissus, des draps, des trucs. Il y a même des vieilles feuilles de journal qui traînent par terre au sol. Impeccable, voilà, on se fait un petit barbecue. Voilà. Oui, voilà. Allez, on fout le feu. Et donc, moi, je vous propose. Prenez d'abord vos affaires sous le feu. Je récupère quand même pour garder ce qu'il faut. Le disque dur principal qui contient toutes les données du site et tout. Et mes emails. Et donc, est-ce que on va avoir un plan qu'à moi? Ouais. Je pense que ça vous prend quelques minutes de faire démarrer un feu dans l'entrepôt. C'est les deux garçons qui s'en occupent du feu? Non, parce que moi, pendant qu'ils font le feu, bah, moi je récupère mes disques durs. D'accord, donc toi tu récupères tes disques durs et Black, c'est toi, trop tu tard, à ton disque dur, je l'ai foutu par terre. tiens, merde. Tu parles de ce disque dur qui était là? Est-ce que tu as survie, Black? Est-ce que j'ai quoi? Moi je l'ai. Survie. Dans les skills, survival. Oui. Très bien. Tu, sans aucun problème avec ton zippo, des feuilles de papier, un peu de vêtements et les morceaux de bois que tu trouves, tu commences à faire un feu, commence à bien prendre. Je déchire un peu de la robe à Abby pour avoir un... Non, il y en a hors de question. Comme tu allumes le feu, Black, c'est toi le plus proche du feu, des flammes. Tu vas me faire un petit jet de courage face aux flammes. Difficulté 5. Ah merde, tu une chochotte face aux flammes. Alors courage. Sérieux? Hey, je suis une flippette. Alors, difficulté, tu m'as dit? 5. Ça sert à rien, ouais. C'est des petites flammes encore. Ouh, flamounette. Si tu rates un même pas de succès. Pas de succès. Ah, ça brûle, okay. Ça brûle. Donc, tu commences à reculer un peu en grognant. Donc, Abby et Billy, vous remarquez que... Vas-y, fais-le toi, Abby, j'ai trop peur. Black recule. Et non, t'es silencieux, Black. Tu restes silencieux et tu commences à scotcher de façon... T'as l'air fasciné du regard par les flammes qui dansent. Ah oui, d'accord. Et donc, Abby, toi, tu as un appel de ton téléphone jetable. Oh merde, encore une quête secondaire. Pour déverrouiller, je le porte à mon ordre. Allô, mademoiselle, c'est Windsor. Raccroche. Oui, allô, Windsor, mon bon. Je ne savais pas si j'allais pouvoir vous joindre. Je vous appelle pour vous dire que Jeremy Greenberg, le conseiller fiscal du maire, a rappelé dans la journée. Et il voulait vous parler, vous n'étiez pas là. Et c'était pour vous donner des informations que vous lui aviez demandées.
pas trop au courant. Ok, d'accord, je le rappellerai moi-même. Est-ce que vous avez besoin de moi ? Oui, très bien. Vous avez besoin de moi, mademoiselle ? Windsor, êtes-vous disponible dans l'immédiat ? Ah oui, bien sûr, absolument. Avez-vous toujours cette voiture de location ou avez-vous déjà... Cette voiture de location ? Non, mais je peux aller en chercher une nouvelle, si vous voulez. Il n'y a pas de risque qu'il se fasse suivre, lui ? Bah, il est doué. Il est doué. C'est le majordome de Batman avant d'être le mien, mec. Porte un masque, mec. dites-moi, mademoiselle, où est-ce que je peux peut-être vous retrouver ? Je vais essayer de semer la police qui va sûrement me filer. Non, Windsor, ben non, c'est tombé finalement vu que Billy veut garder sa manie. Non, mais moi je bien, je vous attends à la maison, alors. Il raccroche. Ok. Intervention magnifique, Windsor. Merci à toi. Donc, Billy, tu as récupéré ton disque dur principal et ça commence à bien prendre feu. Vous partez ? On a pris les flammes commencent à grandir et vous allez me faire et Abby un jet de courage parce que les flammes commencent à devenir très impressionnantes. Yeah. Jet de courage, difficulté 6. Faut que je le refasse moi. Alors toi Black, non, ça va être un jet de volonté à faire. après Billy et Abby. Classe à moi là, de lancer. Oui, vas-y. Deux succès, sachant que j'ai un 10. Parfait. C'est bon, j'ai deux succès. Deux succès. Tu vois que les flammes sont impressionnantes et que elles font réagir ta bête intérieure, mais tu gardes le contrôle. À toi, Abby. Pas le courage. C'est en dessous self-control. C'est dans les vertus. Conscience, self-control et courage. Ah oui. Quelle difficulté 6. Ouais. Un succès. Tu ressens aussi, Abby, que ta bête intérieure réagit à ces flammes et essaye de prendre le contrôle de ton corps et tu résistes. Et tu vois que les flammes sont impressionnantes. Et maintenant, je vais demander à Black un jet de volonté. Difficulté 6. Tu lances 6 dés, difficulté 6. 6 dés. Oui. Deux succès. Ok. Tu... 2-1 et 2-10, quoi. Putain. Ouais. Donc, Billy et Abby, vous commencez quand même à vous hâter à sortir et vous voyez que David reste comme hypnotisé par les flammes. Et vous l'appelez ? Ouais, vous l'appelez quand même d'abord. Et il réagit au son de votre voix et se tourne vers vous et vous voyez qu'il a un regard perdu et un petit sourire comme s'il appréciait ce qu'il regardait. Et tu reprends tes esprits, David, et donc tu reprends un visage normal et tu commences à courir vers eux, mais t'as senti c'était magnifique. Et nous emmerde les flammes, on ne fait plus de feu. C'est très beau les flammes. On arrête. Tu es fasciné par le feu, Black. T'es gars pyromane, quoi. Attends, avant de sortir, est-ce qu'on a le temps de récupérer un corps qui restait derrière le hangar ou pas ? Enfin, il est derrière, mais... Qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a quelque chose que j'aimerais faire. Il y a un corps derrière que Black a caché, ouais. On peut le récupérer ? Mais je te dis pas où c'est, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah ouais, s'il te le dit pas, non, tu sais pas où il est, tu sais pas qu'il est à côté. On n'a pas le temps. En fait, je voulais le récupérer pour qu'on le mette dans la bagnole, qu'on passe chez moi, qu'on le mette... Dans le frigo. Mais t'es garé où, mec ? Non. Attends. Et qu'on brûle mon appartement pour qu'on me fasse passer mort. Bah, sauf que les flics sont sur ta piste de rentrer chez toi avec un corps et... Ils sont pas sur ma piste, ils sont sur la piste de l'entrepôt. Mais on a plus le temps. Faudra que je répète ça. Ils ont bloqué tes comptes en banque, donc ils sont d'office sur toi, mec. Eh oui. Oui, mais si je suis passé pour mort, c'est bon, tu vois. Bah oui, mais ils vont faire une analyse dentaire, machin truc. Même en 98, ils savaient le faire. Mm-hmm. Moi, je reviens du futur, vous savez. je sais ce qui s'est passé. Non, je trouve ça déjà pas une bonne idée qu'on garde ta bagnole. Oui.
Moi, je suis d'avis qu'on essaie de se trouver une bagnole. Toute fraîche. Est-ce que quelqu'un essuie un peu le visage de Billy, qui est ensanglanté? Parce que lui, il le remarque pas. Hein. Mais moi, je vais lui essuyer le visage. D'accord. Je lui ramène à bouffer, je lui essuie le visage, bientôt je vais lui torcher le cul. Vous êtes tous les trois à l'extérieur de votre entrepôt et de l'entrepôt de Billy, et vous voyez de la fumée sortir légèrement de... On dégage. Du toit. Qui a crochetage Qui est le plus doué? Qui est le plus doué pour crocheter une bagnole? C'est quoi crochetage? C'est larcin. Moi j'ai rien en larcin. Mais c'est moi parce que j'ai les outils. J'ai pas besoin de bouger. Ah non, il faut larcin pour pouvoir crocheter une voiture. Oui, je les ai. Sinon j'aurais pas pu le faire la dernière fois, j'ai deux en larcin. Eh ben vas-y, tu nous trouves une bagnole, mec. Bah ça faut perception. Et tu... Ouais, perception, moi je l'ai. Moi aussi j'ai perception. Ouais. J'ai 3 en perception. Mais j'attends que Médric me dise de le faire. Mais t'as combien en perception? On peut prendre celui qui est le plus doué en perception. Moi j'ai 3. J'ai 3. Et Black, tu as Auspex. Moi j'ai Auspex, mais merde. Ah oui, mais ça me coûte rien en fait. Oui, Auspex. Ça te booste ta perception, Auspex. Vas-y. Black. Et je prends la perception d'Abby, vas-y, je... Donne-moi ta puissance. Je te la donne, mon gars, je te la donne. Donc, ça me fait 7D. Bon, tu trouves automatiquement une voiture qui a l'air d'être un vieux modèle et qui a pas l'air difficile à voler. Oui, voilà, une voiture discrète, voilà. Pas le van à la Scooby-Doo, hein. Au final, ma voiture, je l'aurais même pas utilisée. C'est bien fait. T'as qu'à pas t'exciter quand tu bois du sang. J'ai de l'arsenal plus dextérité pour crocheter la voiture. J'ai les outils. Oui, mais c'est pas les outils qui correspondent. Hein. C'est pas un kit de serrurier. T'ouvres ton kit de serrurier, tu vois des dés, putain. Non, je sais pas. Et t'as pris le gun en partant, le gun du flic. Ah oui, c'est vrai. Oui, je l'ai. Ouais. Oui, je pense que la dernière fois, j'en avais pas besoin. Et là, tu fais. Si, la dernière fois, je crois que j'ai oublié un truc dans la barre. La dernière fois, tu avais eu un jet. Baisser la difficulté, non, Malric. La toute première bagnole que j'avais crochetée pour me barrer, on m'a dit que t'as les outils, donc c'est automatique. Non, je t'ai pas dit c'est automatique, tu regarderas le replay, il y a eu un jet. Ok. Ok, ouais, mais du coup, est-ce qu'on peut baisser la difficulté du crochetage vu que... C'est surtout qu'il va pas avoir une difficulté augmentée parce qu'il a des petits outils qui vont lui permettre de crocheter, mais c'est pas les outils qui correspondent à du crochetage de voiture. Ouais, mais Black, dans sa perception... Sa perception, il a trouvé peut-être une voiture facile à crocheter. C'est ce que j'ai décrit. Un vieux modèle de la voiture. Mais tu connais les procédures, Black. Je te rappelle que t'es shérif, donc tu sais quel type de modèles sont souvent volés. Mais je suis complètement d'accord. Je valide votre réponse. Donc il faut larcin et dextérité. Et c'est une vieille Dodge que vous essayez de voler. Okay. T'as du coup. Difficulté 4. 6. Oh, bah 4. Un succès, plus un 1, donc ça fait 0 succès. Putain, quoi. La serrure ne se décoince pas. Elle a l'air bloquée, elle a l'air à moitié abîmée, la serrure, et ça vous... Ça ne vient pas. Bon, on essaie d'en trouver une autre. Ou il peut tester la portière passager. Bah, juste la portière passager. Ok, donc refais un petit jet, difficulté genre. 4 succès et un 10. Voilà. Voilà. Attends, je fais le 10. Même pas fermé, quoi, tu vois. Merde, attends. Oui, c'est ça. La porte était ouverte. Oui, la portière passager était ouverte. Et c'est bon. Ok, on monte tous dans la bagnole, les gars. J'en ai fait 4. Avec le 4, j'accepte que tu puisses utiliser tes 4 succès pour aussi dénuder les deux fils et sous le tableau de bord et faire démarrer la voiture. Et qui est-ce qui conduit? Qui est-ce qui a le plus c'est de moi. Conduit? Oui, c'est Billy, moi, parce que c'est lui qui est en train de bidouiller les fils pour faire démarrer sous le volant. De toute façon, j'ai 2 en drive, donc ça suffit. Donc David, tu montes derrière, Abby monte la place du mort et Billy démarre. La place du mort. On met sa ceinture, les gars. Allez, poupée, t'inquiète. Et en fait, tu démarres, tu roules. Tu l'as l'adresse, enculé. Non, je t'indique la direction.
Tourne à droite. Va tout droit. T'es sûr que c'est par ici? Donc, tourne à gauche. Vous déboulez avec la voiture dans la grande rue qui Je peux mettre la radio ou l'entrepôt? Oui, vous pouvez mettre la radio s'il faut. Allez, on change de décor. Alors, il va falloir me faire un petit jet de discrétion. Oui, si tu veux. Pour changer le décor. Je peux remettre. Non, pour voir un peu ce qui se passe autour de votre voiture. Faites un petit jet de perception tous les trois. Difficulté 5. Perception? Ouais, perception. Vas-y. Je vous remets le Lower Downtown où vous êtes actuellement. Là qu'on attend, dans l'ordre. Voilà, 3 succès. 3 succès, mon gars, okay, oui. Okay. Deux succès pour Billy et c'est pas fini. Ok. 3 succès. 3 succès pour Billy, oui. Et c'est quoi, c'est quoi c'est nous là, ça c'est quoi, c'est quoi, c'est oh non. Des 20, là. Ça fait des D20 là. Tu vas être 3 succès, succès pour putain, succès full success quoi. Donc tous les trois, vous apercevez, vous croisez des voitures de police qui foncent vers l'entrepôt. Et on regarde tous les trois la voiture de police. Non, surtout tous les trois, vous baissez plus ou moins la tête ou vous la tournez dans c'est un beau, angle. C'est beau les lumières dans le noir. Il y a Billy et Oupsy qui s'embrassent pour camoufler leur visage. Vous vous écartez de la scène sans qu'on vous remarque et vous partez en voiture donc dans la grande rue du bas centre-ville où vous êtes. Donc là, on est vraiment incognito de nouveau. Là. Putain, on est bientôt arrivé. Voilà. C'est quand qu'on arrive? Voilà, on est où? Vous allez vers Aurora. Quoi. Ellipse de temps, nous arrivons au box. Donc tu vas à Aurora ouais, jusqu'au box. Oui, jusqu'au box. Okay. Alors, j'affiche Aurora. Ah merde. Hop. Alors, où est-ce que je l'ai mis, Aurora? Aurora a bougé. Oui. Hop. Voilà, bienvenue à Aurora. Alors, en haut à gauche... donc là, il y a une petite vignette. C'est pour montrer. C'est le shérif Gary Wood. C'est le shérif Wood qui est en train de faire une conférence de presse. Juste derrière lui, donc sur l'image, c'est le bureau du shérif à Aurora. Les mecs, on dirait, jouent dans Police Academy. C'est des ricains. Ne critique pas mon agence. Sur la droite, vous avez une autre photo. C'est le. C'est ma maison. C'est le commissariat de la police d'Aurora. Donc il y a le bureau du shérif à gauche et le commissariat à droite. Mmh. Et en dessous, vous avez un panorama de Aurora, toute la région. Oh. Et en bas à gauche, vous avez les box. Oui. Et bah. À droite, on a quoi? À droite, c'est des vieux bâtiments d'Aurora. Ça ne sert à rien, là. Vous ne les voyez pas à droite, pour l'instant. C'est un décor d'une quête secondaire qu'on va bientôt y avoir droit. Il y a peut-être moyen. Donc là, vous êtes arrivé au niveau des... Très bien. Il y a eu une petite vingtaine de minutes qui sont passées. Okay, check pas la zone vite fait pour voir s'il n'y a pas eu... La zone est calme. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Hey, venez dans mon box. Il n'est pas très grand, mais c'est pas grave. Donc vous garez la voiture et vous... Mm-hmm. Vous allez vers ton box. Il y a quoi à l'intérieur du box? Donc vous ouvrez. Je camoufle les accessoires en cuir. Vite fait en entrant. La poupée gonflable. Voilà, c'est ça. Les revues porno. Donc dans le box, vous voyez du matériel. Un drapeau canadien au plafond. Le matériel que tu as, Black, dans ton box, c'est du un matériel serveur. Non, c'est des habits de montagne, des accessoires pour faire de la survie dans les forêts de l'époque où tu travaillais pour la CIA. On a un petit ordinateur ou quoi? Non, il n'a pas d'ordinateur dans son box. Par contre, j'ai toujours un téléphone. Oui, vous avez toujours un téléphone. Parce que c'est bien. Alors... les gars, parce que tout à l'heure, on est en train de se casser, mais il faudrait peut-être préparer le coup pour aller à la banque pour Prestor, quoi, parce que là, il est temps. Hein. Exactement. Alors, as aussi tes faux papiers qui sont dans ton box. Oui. T'as une autre identité. Est-ce qu'il a genre des perruques? Non. Lunettes noires. Oui, si, Black. Tu as quelques accessoires de théâtre qui vous permettent à tous les trois de vous déguiser si vous voulez. Magnifique. Mais c'est que des accessoires masculins. Désolé, Abby.
C'est des perruques masculines. Alors, les perruques, oui, tu peux les utiliser, Abby, mais disons qu'il n'a pas de robe ou il a que des vêtements masculins. Mais tu peux t'habiller de façon masculine, hein, pas de problème. Alors, après, toi, Billy, t'avais parlé que t'avais des contacts pour faire le coup, ce plan. J'aimerais qu'on refasse un point sur ce plan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il fallait que je contacte la pèbre. Et c'était par son serveur qui pouvait contacter la pègre. Oui, mais j'ai le disque dur, mais il me faut le... Il me faut un support informatique pour l'exploiter. Et tu penses qu'à 3, on peut pas le faire? Bah si, parce que j'avais oublié que c'était pendant la nuit. Donc, voilà. Et puis on a nos pouvoirs aussi. Il doit y avoir quoi? Il y a des gardes. Il faut faire une petite liste de matériel. Alors, et je téléphone à Windsor pour qu'il nous l'apporte. Je vous rappelle que Black est policier, que Billy est braqueur de banque et que Abby est bancaire. Ouais, je pense que parmi vous trois, il y a sûrement quelqu'un qui doit savoir à peu près comment ça fonctionne une banque la nuit. Est-ce que on ferait pas une petite liste de matériel pour la banque? Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance déjà en 98? Dans les banques, oui. Oui. Ah, ça serait trop facile. Dans les banques, c'est depuis les années 70 qu'il y a des caméras. Ok, mais je propose qu'on se fasse une petite liste de matos. Ouais. Moi, je téléphone à ton majordome. Mon majordome, il nous apporte tout ça pour être OP pour... Il y a une petite télé et une petite radio aussi dans le box de Black. On peut allumer effectivement la radio pour regarder un peu quelques infos. Ouais. Pour regarder la télé, ça va nous distraire. Bon, par l'instant, je griffonne sur un bout de papier ce qu'il nous faudrait. Mmh. Alors, il nous faudrait déjà un petit ordinateur portable qui serait capable de supporter des commandes. Il nous faut les plans de la banque. La banque, ça va être difficile. C'est difficile. Ouais. Parce qu'on doit récupérer. Qu'est-ce qu'on doit récupérer déjà? Un colis dans un deposit box. C'est bon, une banque, c'est pas compliqué. Il y a des zones. Donc, il nous faudrait une pince, monseigneur. Attends, qui était au nom de Jacob Prestor? Oui. Alors, attendez. Parce que l'un de nous peut se faire passer pour Jacob Prestor. Oui, mais moi, aucun de vous n'a la carrure de Jacob Prestor. C'est mort, donc il faut faire le cast. Ou alors, il faut que tu le fasses avec tes accessoires de déguisement de théâtre. C'est ça. Mais, ouais, il faudrait que tu... Oui, avec les déguisements de théâtre... J'espère que t'as les... j'espère que t'as les compétences pour, parce que si t'as un seul jet de dé qui foire, mais c'est la merde. Oui, voilà. Ouais, ça va être trop chaud. Mais bon, Black, ton perso, je te rappelle qu'il était bon en théâtre. Eh oui, je fais la comédie. T'as montré ton cul à tout le monde et t'es fier. Et en plus, je peux me faire passer pour lui, même avec mes identités. Enfin, c'est-à-dire que je peux demander... T'as fausse identité, c'est pas du tout au nom de Jacob Prestor. Non, mais je peux faire appel à Brice pour qu'il me trafique tout ça. Oui. À Bril, pardon. Oui. Bah, Bril, je vais te préciser, hein, quand tu l'as connu et que tu as travaillé avec lui dans la CIA, lui, il travaillait directement pour la CIA et toi, tu n'étais qu'une sorte d'intermédiaire où, tu vois, t'as jamais vraiment été un agent de la CIA, t'as toujours été un intermédiaire pour leurs opérations au Canada, d'accord? Ouais. T'as été une sorte de guide et t'as beaucoup travaillé avec Bril et c'est comme ça que vous avez lié une amitié entre vous. Et tu sais que Bril, il est spécialisé dans les communications. Il a un profil de technicien télécom. Mmh. Et il a une connaissance impressionnante sur tous les appareils de surveillance et de communication des États-Unis. D'accord. Voilà. Si par hasard tu peux t'en servir pour quoi que ce soit par rapport à la banque ou par rapport à si vous voulez faire des choses, tu sais que tu peux faire confiance à Bril, hein. Il est loyal envers toi. Est-ce que tu peux récupérer des vidéos? Ouais, je pense que tout ce qu'on a besoin. Des bandes vidéo de surveillance de la banque qui, quand les caméras me filmaient pendant la nuit, justement, des personnes. Mm-hmm. Justement, quand il n'y avait personne et qu'elles filmaient pendant la nuit comme ça dans le vide. Est-ce que tu peux récupérer des bandes vidéo comme ça? Ouais, faut que je note et je poserai toutes les questions à Bril.
D'accord. Vous entendez à la radio, les journalistes disent que Monica Bellhurst, la veuve de Vincent Bellhurst, et qui, je vous le rappelle, est procureur à Denver, a annoncé aux journalistes que de façon déjà... De façon colérique, elle a annoncé aux journalistes qu'elle était déterminée à trouver la vérité concernant la mort de son mari et elle souhaite un face-à-face avec Abby Wilkershire. Et voilà. Et vous... Salope. Vous entendez ça à la radio quand vous avez... Ok. Ça te pue, Wes. Wes, qu'est-ce que t'as, Wes? Bon... Vas-y, ouais, c'est quand c'est cool, avancer dans cette histoire-là. Donc, il nous faudrait des... Ouais, t'as tué que son mari, quoi. Bon, qu'est-ce qu'elle a? Il nous faudrait peut-être une pince. Il nous faudrait peut-être... des gants. Une pince, c'est facile à trouver. N'importe quelle quincaillerie ou... Dans mais sauf que c'est pas avec une pauvre pince mais nous, qu'on avec va... nos têtes, ça va être difficile. C'est pas avec une pauvre pince qu'on va se forcer un putain de coffre-fort, t'es fou, toi. Billy, toi, tu sais que par rapport à ton expérience des braquages, tu c'est avec un ordinateur que ça se débloque. Le plus important, en premier lieu, pour bien préparer un braquage, c'est de trouver le modèle du coffre. Ouais, moi, je pense que mon pote peut nous récupérer des équipements. Ça veut dire qu'il faudra qu'on se fasse un point de rendez-vous avec lui. Il pourra nous fournir des équipements, genre ordinateur, machin truc. Oui, tu penses qu'il a ça, oui. Donc, il me faut un ordinateur qui soit capable de supporter de la vidéo et qui a assez une vitesse de calcul assez rapide. Enfin, je sais pas parce que. Oui, ouais. Voilà, une vitesse de calcul assez rapide histoire que je puisse faire le plus de combinaisons. Ouais, ouais. Le plus de combinaisons possible pour le coffre. Mmh. Il nous faudrait, pas d'armes par contre, juste un couteau en cas où. Tu penses aussi, Billy, qu'il faut, en général, il faut une perceuse ou quelque chose, des petits explosifs. Du C, non, pas du C4. Non, chose de petit. Ouais, voilà. Des pétards. Le C4 peut être tranché en lamelles. Hein. C'est juste que c'est très dangereux à faire, mais. Le Semtex. Oh, experte. Oui. Je joue à Call of Duty. Ouais. Elle nous dit ça, c'est Abby, tu joues à Call of Duty. Tu me prends des clés morts aussi accessoirement. Putain, des grenades flash. Elle va nous déclencher la guerre dans le truc. Abby la manquère. Il me faut des M4, des clés morts. Après, ce qui est bien, c'est que... Gueule dorée, bien sûr. C'est que si jamais il y a une alarme qui se déclenche, parce qu'il faut couper le système d'alarme. Mm-hmm. Donc, il va falloir trouver le. Faut qu'ils nous disent toutes les infos. Un décodeur, quoi. Sur la banque, nanana, système d'alarme, s'il y a des surveillants, s'il y a des. Donc, alarme, surveillants. Ok, bah écoute, au pire, on va le rencontrer, on va le. Ouais. Bah, faut que je lui demande tout ça. Et après, faut que. Du coup, ça a demandé quoi? Une journée au moins? Ah, oui, on peut pas être OP le jour. Ouais. Et puis en plus, quand on va le rencontrer, faudra pas qu'on y aille à 3 sur lui, parce que sinon on va le bouffer. Pourquoi le bouffer lui? Mais non, mais avec nos pulsions, bah, il va sentir le miel 10, de ouf. J'ai 8 sur 12, donc t'inquiète, ça va aller. D'accord. On va tenir, j'ai pas faim. Qui a d'accord, faim ici? Mais on t'enverra toi. Moi. Parce que moi j'ai pas confiance en Billy. dans sa capacité à se contrôler et ni en moi-même ni même en l'ancien, tu vois. Y a que donc, Abby quoi. Ouais, on t'enverra toi et puis voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Alors non, Black, il faut que tu y ailles toi aussi parce que tu penses qu'il va jamais vouloir rencontrer Abby seul. Enfin, il est trop parano pour ça. Mm-hmm. Bien, tu vas tout seul, mais. Bon, ouais, j'irai tout seul, mais. Tu peux y aller accompagné d'Abby, il te voit quoi. J'ai pas envie de le sucer quoi. Mais personne te demande de le sucer. Et je sais, mais j'ai peur de moi. C'est normal. Je suis sensible, tu sais. Je suis... C'est exactement. Tu es sensible. Alors, de quoi on a besoin d'autre? Des vêtements pour se camoufler. T'aider, hein, le mec. Oui, des vêtements pour vous camoufler. Donc ça aussi, vous pouvez
toi, Black, tu sais, à cause des anciennes opérations dans la CIA, tu sais comment, quel type de vêtements il faut que tu trouves et... Et tu as à peu près une idée des tailles, donc ça sera pas compliqué pour peut-être toi. Peut-être un peu de... Il y a déjà des lasers dans les banques à cette époque-là, non? Ça dépend des banques. Ah, ça, bah peut-être qu'il... ça dépend aussi de la zone dans la banque que vous voulez aller. Peut-être que tu faudrait que tu passes la journée, Abby, à t'entraîner à la capoeira et au mouvement artistique. Mais non, mais bon, on pourrait pour prendre te de la faufiler parmi les lasers. Non, mais je sais pas, je suppose qu'en coupant le système d'alarme, faudrait tout couper, quoi. Ouais. Un décodeur, quoi, pour l'alarme. Ouais. Du coup, il nous faudrait système de communication, oreillette, tout ça. Oreillette, à cette époque-là, à mon avis, c'est chaud. Mais, des radios portatives pourront. Des Toki-Walki pourront les faire. La CIA, quoi, on utilise du matériel de qualité militaire, voire extraterrestre. Ben, les Toki-Walki, c'est militaire. En 1980, je sais pas quoi, là, ils avaient déjà oreillette. Ben oui, attends, en 1998, oui. Ils ont eu le premier contact avec les extraterrestres en 1950. T'es con. Ouais, ben, allez. Téléphone à Mister, je sais pas quoi là pour qui. C'est bon, on a fait le tour. Ouais, je crois. Hein. Et demande-lui en même temps s'il a pas des infos sur Prestor, plus d'infos sur Prestor. Oui, et je veux aussi. Exact. Et je veux aussi qu'il fasse une recherche sur Billy Payton. Ouais, comme ça c'est ce qu'on lui reproche. Black, Brill, ton ami Brill, n'est pas spécialisé dans la recherche de. Il est spécialisé dans l'équipement de surveillance et de communication. Oh, mais vous nous mettez des bâtons dans les roues, monsieur Manrique. Ce que je veux dire, c'est que c'est Billy qui est spécialisé dans la recherche de personnes. Mmh. Ouais, ben bah, déjà, qui prennent l'ordinateur et étiquette. Oui, voilà. est-ce que je sais où est-ce qu'il se situe, Brill? Oh, la vache, pète la câble. Non, ça fait des années que vous vous êtes pas revus, mais vous, tu sais qu'il habite à Denver. Vous avez toujours gardé un contact. Oui, vous avez toujours gardé un contact téléphonique pour l'instant. Donc ça veut dire que je pourrais lui demander de nous amener déjà des premiers stuff tout de suite. Appelle-le. Oui. Non mais je. Oui. D'accord. Tu vas voir comment la conversation tourne. C'est parce que je demandais confirmation au maître. Donc oui, j'ai bien compris que vous vouliez du stuff et que vous vouliez de l'aide. Donc il faut voir à peu près ce que peut faire. Bon oui. Ok, ben je prends mon téléphone que je sors à ma ceinture. Oui. Voilà. Tut. Voilà. Mm-hmm. Tout. Ça sonne. Allô. Allô Brill. Oui, qui est là? C'est Blackouille. David Black. Comment vas-tu? Je te dérange pas? Non, j'étais en train de regarder les infos. Je suis un peu dans la merde avec une autre. Je regardais les infos. Ah, et tu t'amuses bien? Je m'amuse bien. Oui, on parle de toi et de tes deux amis. Ah, et qu'est-ce qu'ils se racontent de vous? Vous tuez des policiers, il semblerait. Non, ne te fie pas à ce qu'ils disent. C'est un coup monté. Et nous avons une piste. C'est un certain Jacob Prestor qui nous aurait mis dedans. Est-ce que t'as déjà entendu ce nom-là? Non, ça me dit rien. C'est pas quelqu'un de connu, mais je peux essayer de me renseigner de mon côté. Ouais, bah je t'en prie, ça serait bien. Mais par contre, je vais avoir besoin de toi. On a une piste pour essayer de récupérer les informations aussi de notre côté. Sur ce mec. Donc on va avoir besoin d'équipement parce qu'on est vraiment dans la merde. Là je suis à ma planque et on a besoin de ton aide absolument. D'accord. Donc, retrouvez-moi à ce moment-là à la rue Paper and Salt. Ah oui, sel et poivre. C'est le mec qui est dans la rue sel et poivre quoi. C'est la rue poivre et sel, oui. Donc, s'il te plaît, on a besoin en urgence d'un ordinateur puissant avec une très bonne connexion, une connexion GPS de qualité militaire. Non, pas besoin de ça. Non, y a pas besoin de ça. Oh, c'est faux. Il faut internet.
Je vais couper la communication là, David. Ce qu'on fait, c'est qu'on se rejoint donc à la rue Pepper and Salt et je t'attends là-bas. Non, j'ai pas besoin d'une connexion internet pour craquer la banque. Hein. Ah d'accord, ok. Non mais t'as peut-être besoin de faire des recherches toi, non? Dans la journée là. Ah peut-être si, oui, mais pas qualité militaire, ça sert à rien. D'accord. Bon, de qualité moyenne. C'est ça, quoi. Le mec, il peut lui donner le top du top pour avancer plus vite dans la recherche, non? Voilà, une Bouygues 4G, ça suffira. Non, mais ça va le... Parce que non, ça le fera chier ton pote. D'accord. Bon, bah, ok. Allons nous retrouver. Très bien. Voilà. Salut. Il raccroche. À tout de suite. Ah putain, il m'a raccroché. Bon, qu'est-ce qu'il a dit ton pote? Ben, il faut qu'on aille le retrouver, mais par contre, ça me fait peur, mais bon, on y va. Ouais, mais je crois que c'est pas le mieux de se balader en centre-ville avec une voiture volée, quoi. Donc la rue qu'il vous donnait, elle est à... Et c'est pas con ce qu'elle dit, putain, tu pouvais pas me le dire pendant que je suis au téléphone. Putain. Enfin, ça, je dis rien, quoi. Bon, ben, faut aller voler une autre voiture. Non, pire, je téléphone à mon majordome, il va m'en avoir de location qui, elle, ne sera pas volée. Oui, faisons ça. Mais je lui donne pas rendez-vous ici. Je lui donne rendez-vous à quelques... Oui, à quelques rues. Ouais. Ok. Donc, du coup, je prends mon téléphone portable et j'appelle le Wins. Oui, ça sonne. Allô? Oui, allô, mon cher Windsor. Oui, bonjour, bonjour. Oui. Dites-moi, j'aurais besoin de nouveau de vos services. Une voiture de location. Une voiture de préférence couleur noire avec un grand coffre. Un 4x4, ce serait bien. Très bien. 4x4, mais qui c'est qui dit ça de nos jours, quoi? 4x4. Je m'exécute immédiatement, mademoiselle. Oh non, 80, oui, c'est fini. Windsor, vous pouvez me retrouver. Je donne le nom de la rue, donc. Je veux un Hummer limousine noire. Très bien. À quelques... voilà. Je vous prends une Lexus, ça vous ira? Oh, ah oui. Vachement discret, magnifique. Oui, c'est ça. C'est l'équivalent d'une Mercedes, c'est-à-dire une berline luxueuse, mais américaine. Avec les vitres teintées de préférence. Ah, vitres teintées, très bien, mademoiselle. Oui, je vais voir si c'est possible. Ok, rappelez-moi quand vous êtes là. Protection UV 5000. Il n'y a pas. Non, mais les vitres teintées, c'est pour qu'on nous reconnaisse. Avec un pneu crevable. Avec un pneu crevable, s'il te plaît. Oui, oui, vous quittez le box. Avec pneu plein. Tous les trois, tu fermes derrière toi, Black, le box. Ouais. Et donc, vous partez à pied vers le point de rendez-vous qu'a donné Abby. Et au bout de 15 minutes, donc c'est quand même, vous attendez un petit peu. Bah, vous êtes à Aurora, hein, donc vous êtes assez loin du centre-ville. Et vous êtes aussi assez loin de Cherry Hills. Et vous voyez arriver une Lexus qui arrive à toute berzingue, avec les phares allumés et qui s'arrête à côté de vous. Putain, on va le sucer. C'est Windsor qui sort ? Non, alors, il s'arrête pas à côté de vous, il s'arrête à l'endroit indiqué, et j'imagine que vous êtes caché un peu plus loin en train de guetter. Ouais, c'est ça. Et c'est Windsor ? Okay. Vous voyez que c'est Windsor, enfin, tu le reconnais, Abby, et tu vois qu'il est en train de sortir son téléphone portable, sûrement pour te prévenir qu'il est arrivé. Ouais, est-ce qu'il sent le miel ? Il m'appelle ou il m'appelle pas ? Vous êtes loin, là, encore, de lui. Ah bon, bah, il m'appelle ou il m'appelle pas ? Oui, il t'appelle, ton téléphone. Oui. Allô, mademoiselle, je suis arrivé. Oui, d'accord, Winter. Vous pouvez laisser les clés en dessous du passage de roue, dans le passage de roue, s'il vous plaît. Je peux même les laisser sur le tableau de bord, s'il vous plaît. Non, passage de roue. C'est moins voyant. Bah, okay. Laisse toutes les portières ouvertes. Voilà, et je vous remercie, hein, Winter. Vous pouvez rentrer. Je vous attends. Hein. Et non. Il sort de la voiture et puis bah, il reste posté à côté. Et on attend un peu voir s'il n'y a pas du monde qui se ramène ou... Oh, vous êtes... Non, c'est des grands espaces verts autour de vous, mais de nuit, au loin, vous voyez des gens passer à bicyclette, mais... Ok, ben on y va alors, du coup, ou bien moi je vais en éclaireur et je prends la voiture et je viens vous chercher après. Oui, ça marche. Ok, bon, ben je vais vers Windsor. Ok, il te reconnaît, il te fait un sourire, il a un sourire de soulagement. Merci, Windsor. Oh, mademoiselle, vous allez bien, c'est vraiment rassurant de vous avoir. Tu vois une bosse au niveau du pantalon. il te prend par la main, mais de ses deux mains, et puis il serre ta main pour te montrer que... Chaleureusement, quoi. Il t'aime, voilà, chaleureusement, il t'aime beaucoup. Oh, merci, mon cher Windsor. Il est surpris, il fait « Oh, mais mademoiselle, vous avez les mains fraîches ». Te prend par la main.
Ah oui, mais ça arrive un peu froid. Et on, nous sommes en pleine nuit. Le temps est glacial. Oh. Vous voulez que je conduise ? Il se dirige vers la voiture. Non. Pourquoi il veut mais dégage, mec. Allez, salut Windsor. Je te baise. Non, Windsor, vous pouvez me laisser ici. Ça, je vous appelle un taxi pour que vous rentrez. Vous êtes sûr, mademoiselle ? Bon. Oui, Windsor. Le pauvre, ça va bouge trop. Ne vous inquiétez pas, madame. D'accord, j'ai un box qui est pas loin. Ok, bah du coup, je monte dans la voiture, je mets les clés sur le contact et je dis. Ça marche. Ok. Tu t'arrêtes à côté de Billy et de David ? Ouais. Okay. Et pendant ce temps-là, Windsor va vivre des aventures extraordinaires et incroyables. Oui, exactement. De son côté, il va prendre ses points d'expérience sans vous. Et le mec, quand tu le rappelles, il a level up x10. C'est ça. Donc vous montez dans la voiture, Dabi ? Ouais. Non, on la laisse pas conduire, femme au volant. Voilà. Ouais, il veut conduire. J'ai autant de conduite que toi, je te rappelle. Donc, T'as combien ? 2. Et moi j'ai 3. Ouais, mais je m'en fous, mais c'était moi la première arrivée. t'as Lexus. Elle est au volant hein, quand vous arrivez. Oui, bah vas-y. Moi je monte à l'arrière comme d'hab. Je vous balade. Ouais. Mais on dirige vers le point de rendez-vous. Exactement. En faisant quelques petits écarts sur la route pour vous. Pareil, je te donne pas l'adresse, je te dis va à droite, tout droit. Ok. Tu fais le copilote, là, qui est d'accord. À gauche. Ah, zut, j'ai cru que c'était à droite. Arrête-toi, putain. Marque les stops, putain. Et moi, je suis derrière en faisant c'est quand qu'on arrive. C'est quand qu'on arrive. Vous inversez les routes. On est bientôt arrivé, c'est où ? On est où ? Vous arrivez dans une. C'est une longue rue avec quelques maisons, mais c'est assez calme et il n'y a pas beaucoup d'activité. Et vous arrêtez. Black, Tu appelles Brill, je crois ? Non, tu attends que Brill arrive. Je sors de la voiture. Oui. J'enlève ma capuche et je fais « C'est moi, c'est David Black !» Non, je... Ah, c'est la voiture ! C'est la voiture de Brill qui arrive. Oh ! Ok, bah, je crois qu'on va parler avec Brill dans la voiture en roulant comme ça. D'accord. Pas d'avoir un plan foireux, non ? Eh oui, sauf que c'est qu'une voiture de place, sa bagnole. Ouais, mais dans ma derrière, bagnole, moi... vous pouvez mettre 4 personnes dans le coffre, il est ouvert le coffre là. Attends, tu veux que nous on se mette dans le coffre ? Non, mais au cas où si vous vouliez monter dans la voiture. Voilà. Non, mais. Le coffre est ouvert à l'arrière en fait. Ok, il y a peut-être que deux portes, mais il y a comme des sièges derrière, je sais pas. C'est un coffre ouvert en fait. C'est une fourgonnette ? Voilà, c'est une sorte de. Une espèce de fourgonnette. C'est un pick-up. On peut prendre mon 4x4, non ? Il y a 3 places devant. Oui, on peut pas prendre mon 4x4 ? Non mais de toute façon... T'as pas un 4x4, hein, t'as une berline, hein, t'as une Lexus. J'allais demander la SUV, wesh, qu'est-ce que t'as ? Je pense qu'ils montent dans notre bagnole, mais on reste au point mort et on discute dans notre bagnole, quoi. D'accord. Je pense, des non ? On est des bandits, on est des balles, mon gars. Oui, parce qu'après, il va se rebarrer pour qu'il, lui, il continue à bosser de son côté, quoi. Ok. C'est pas un vampire, il est pas comme nous. Du coup, tu parles... avec ton pote, là ? Donc oui, t'approches Braille. De sa voiture. Check. Aïe. Check mon gars sûr. Wesh David. Wesh mec. Bien ou bien ? Comment vas-tu ? Eh ben écoute, pour l'instant tout va très bien. Hein, je dirais soirée tranquille. Soirée tranquille, rien à signaler. RAS. C'est parfait ça. Ah là là. Donc je te montre, je vais préparer la... Sérieusement mon petit Brill, voilà, on a vraiment besoin de toi, on a vraiment personne sur qui compter à part toi. C'est un vieux bonhomme hein Brill hein. Eh ben écoute mon vieux. Il a la scène. Écoute mon gars sûr, wesh. Ouais. Écoute mon vieux, t'as quel âge déjà, je sais plus. Il a un peu l'âge de ton père hein. Écoute papa. Je te montre à quoi il ressemble. Ouais. Écoute papa, je sais que t'as toujours la canne, mais bon. Il a des lunettes, il est vieux, il a les cheveux courts et blancs. Et il ressemble étrangement à l'acteur Gene Hackman. Ah d'accord, c'est dans quel film ça ? Ennemi d'État. Bon écoute papa, c'est super, t'es un ennemi d'État. Nettoie tes lunettes. Mets les appareils auditifs et écoute-moi bien. Écoute Brill, voilà. J'ai beaucoup aimé comment t'as joué dans Ennemi d'État. Ah non, c'est mon sosie. Ennemi d'État n'est pas sorti hein, au cinéma. Ah oui, c'est vrai, vous êtes en tournage, très bien.
Non, pas du tout. Non, je... ça n'a pas de place pour mettre ta canne, mais... Non, c'est juste une coïncidence. Bon, sérieusement. Je n'ai rien à voir. Donc du coup, est-ce que tu as un ordinateur pour nous? Oui, si tu as besoin d'un ordinateur, je peux t'en avoir un, ouais. Tu peux m'expliquer la situation, David? Tu l'as pas amené si avec m'as toi, demandé... je t'avais demandé un ordi. Putain, tu refais comme avant, tu fais la merde. Non, mais tu lui as rien demandé. Écoute, mais si, je t'ai demandé David. L'ordi, putain. Écoute-moi, David. Ah non, je me casse. Non, tu sors. Je te suce. Je vais te sucer. Non, mais tu n'écoutes pas quand je te parle. Non, oui, donc tu disais. J'ai compris l'urgence que tu me demandes qu'on se donne rendez-vous. C'est vraiment, ça a l'air vraiment exceptionnel et vu les informations que j'ai entendues par les médias, j'imagine que c'est à cause de cette situation où tu es recherché par le FBI, la police et les shérifs d'Aurora. Oui. Donc non, je n'ai rien ramené pour l'instant sur moi, mais j'imagine que tu n'as aucun endroit où te cacher. Bah, pour l'instant, on va rester à ma planque. C'est une mauvaise idée. Tu devrais abandonner. C'est des collègues à toi là derrière dans la voiture. Là. Bah, on est tous les trois dans la même galère. Ah, d'accord. Oui, je papy, accroche ton pantalon. Ah oui, c'est les deux autres personnes. Je te présente Abby Wilkershire, banquière, délicieuse, magnifique. Hein, elle est chaude, hein, elle est bonne. Hein. Tu ne connais pas mon nom. Et ensuite, je te présente Billy Payton. Tu ne connais pas mon nom. C'est quoi ton nom de famille, toi? Payton. Merci. Voilà. Donc voilà, Billy Payton. Bonsoir, monsieur, dame. Donc, vous pouvez m'appeler Brill. Déjà, la dame est là, moi. Tu vas te calmer. Donc, vous voyez qu'il porte des grosses lunettes. Moi, je la binocle bien, quoi. Le binocleur, quoi. Ouais. Il a pas l'air du tout d'être un militaire ou quoi que ce soit, quoi. Il vous dit suivez-moi en voiture, je vais vous amener dans un endroit un peu plus. Attends, t'as mis sa photo au mec ou pas? Oui, je vous la remets si vous voulez. Ah, parce que je l'ai... Ouais, j'ai pas vu. Attends, mais tu la mets où? Je l'agrandis. Sur la place de sa voiture. Voilà. Oui, exact. Hop là. Ok, tu peux laisser la photo, je pense. Ok. Donc vous roulez en voiture dans les quartiers pauvres d'Aurora, et si vous voyez l'image sur la droite... Attends, on roule en voiture, non? On est toujours en train de discuter avec lui, non? Non, il vous a dit de le suivre en voiture, il va vous amener dans un endroit... Dans un endroit sûr, d'accord. Voilà. Ok, bah ça marche, Brut, j'ai toute confiance en toi, 100%. Je t'aime. Oui, non mais range tes dents. Et lui, il faut qu'il laisse ton dentier ou quoi? Tu connais les propriétés du miel. C'est important de bien se nourrir tous les jours. Cafou. Donc l'image à droite, ouais. Du bâtiment abandonné. Eh ben voilà. C'est là où il vous amène. Et là, on débloque un succès. Donc il fait rentrer sa voiture au rez-de-chaussée de ce bâtiment qui est à l'extérieur a l'air complètement abandonné. D'accord. Il rentre sa voiture et sa voiture avance à l'intérieur du bâtiment pour vous laisser la place à la Lexus d'Abby juste derrière, où il y a Billy qui est à l'intérieur de la voiture. Vous rentrez aussi dans le bâtiment. Donc vous garez votre voiture juste derrière la sienne, Brill sort et va baisser un rideau de fer en très mauvais état, tout rouillé et tout abîmé derrière vos voitures pour cacher le garage dans lequel vous êtes. Et à ce moment-là, je lance un regard à Billy et je lui fais un petit clin d'œil. Mm-hmm. Et je lui fais, t'as vu, c'est ça les professionnels. Bravo. Les professionnels en cuscule, quoi. Tu dis plus rien, mon gars, là. Tu veux voir un serveur, tiens, regarde. Donc, il vous fait traverser des pièces vides et il vous amène dans le cœur du bâtiment où vous voyez qu'il a installé dans une immense pièce. Plein d'électronique, mais tout est dans une énorme cage. Mmh. Et il fait rentrer. Donc il y a une porte dans cette cage, une porte grillagée, et qui permet d'entrer dans la cage. Et donc il vous dit que c'est une cage de Faraday qu'il a fabriquée pour permettre d'être sûr qu'il n'y a aucune détection de son matériel électronique dans D'accord. la pièce. Donc, tu vas me dire que le mec, il a 70 ans, il touche la technologie mieux que nous.
Et il est en train de bidouiller plein de... Ouais, de... il est en train de bidouiller plein de... d'appareils qu'il a, des CB, des radios, pas mal de choses de... avec des fréquences de communication. Mm-hmm. Et vous voyez qu'il a, sur une de CB, il écoute les fréquences de la police. Vous entendez le dispatch d'Aurora, le dispatch de Denver, de la police et du bureau du shérif. Et vous avez, sur un de ses écrans d'ordinateur, vous voyez que... Il y a deux visages. Je vais vous montrer l'illustration des deux visages que vous voyez sur l'écran d'ordinateur. Mmh. Papy fait péter le son. Alors, où sont-ils ? Ces deux visages. Que je me rappelle comment ils s'appellent. Ouais, non, c'est pas ça. Voilà, les voilà. Je le mets là. Côté de l'entrepôt ? Hop. Oui, oui. Dieu, c'est... Voilà, vous voyez ces deux personnes là sur l'ordinateur. Ah putain, ça me rappelle un autre film. C'est Laurel et Hardy. T'étais en train de te mater quoi là? C'est un petit. Donc il vous dit de rentrer dans la cage. Mm-hmm. Vous voyez qu'il sort une sorte de radio et il vous la fait passer sur le corps. Et la petite radio émet des bip, 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 bip. Je baisse mon pantalon. Je dis aux autres, baissez vos pantalons. Et une fois qu'il vous a vérifié tous les trois, il vous dit il prend le matériel. Il fait bon. Et il a l'air un peu plus détendu. Ouais. Tu vois, tu peux avoir confiance en nous. Maintenant, ouais. Bon, très bien. Je vous écoute. Mon gars. Il éteint son écran d'ordinateur où vous aviez les visages. Mais ça peut devenir notre planque, du coup. C'est le but, non ? Alors, Brill te dit que oui, pour l'instant, ça peut être votre planque, mais je pense pas qu'elle va tenir plus d'une semaine. D'accord, bon. On verra. FBI. Oui, oui. Du coup, tu peux donner un accès à un ordinateur à Billy. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Tu vois, Billy, qui a 3 ou 4 ordinateurs qui sont en train de tourner en même temps dans sa cage. Et il te faut juste des câbles pour brancher ton disque dur. Je lui demande déjà la permission. Donc tu lui montres ton disque dur ? Ouais. Ouais, il prend... c'est plein d'étagères autour de vous, hein, finalement, où il y a plein de matériel. Et donc il est sur une sorte de fauteuil à roulettes et il se balade d'étagère en étagère pour choper les objets. Il va vers les ordinateurs et vers ses matériels d'électronique qui font la surveillance de fréquence. Vous voyez qu'il a aussi des moniteurs de caméras qui filment les quatre coins, les quatre entrées de son bâtiment là, qui a l'air abandonné. D'accord. Ok. Et donc il te sort deux câbles, Billy, et te laisse les brancher sur l'ordinateur qu'il te montre. C'est un ordinateur qui est près de l'entrée de la cage, qui est près de toi, quoi. Ok. Je vais dessus. Tu branches. Ok, donc tu commences à voir les lignes de code de données qui s'affichent sur l'écran. Tu veux rebrancher ton disque dur, ça te prend un peu de temps. T'es obligé de te concentrer là-dessus un petit peu de temps. Du coup, lui, pendant qu'il fait non, ses recherches... Non, il n'y aura pas de jet de dés, c'est automatique. Oui, dis-moi, Black. Lui, pendant qu'il fait ses recherches, nous, on est avec moi, Abby et... Et Brill. Et Brill, nous, du coup, on est en train de faire le point sur le matos à récupérer. Oui, alors, vous lui avez pas encore dit que vous vouliez braquer une banque. Oui. Bon, alors, mon cher Brill... Vas-y, je te laisse lui expliquer. Bon, mon cher Brill, on a un petit souci avec un certain monsieur Presto. Et pour arriver à nos fins, on a besoin d'aller braquer une. Au calme! Je te dis ça comme ça! C'est mon gars, quoi de plus normal, wesh? T'as vu tes sécurités, papy? Accroche-toi ton père, c'est bon, quoi! Vous vous rendez compte que vous êtes recherché dans toute la ville? Ah, lui, dis ça, sans pression, quoi! Semblait plus. Bah, c'est un ancien. Je suis sûr, Brill, qu'avec tous les moyens que tu as, t'as dit. Écoute, je m'en bats les couilles de cette partie. Attends, on sait que c'est Jacob Prestor qui nous a foutu dans la merde. On sait que c'est lui. On a son nom. C'est le nom On se doute. Oui, on se doute. Je comprends.
voilà, on l'a reconnu. C'est lui qui nous a chacun enlevé. Chacun enlevé. On ne se connaissait pas d'avant. Et il nous a enlevé chacun à des points très distincts. Et on s'est retrouvés tous les trois dans la même cave, qui s'est trouvée être son adresse à lui, personnelle. Et quand on a fait une recherche à son nom, on a vu que c'était lui. Donc c'est cette personne. Et cette personne détient un coffre sécurisé dans cette banque. Et on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a. Il faut qu'on retrouve cette personne, en fait. D'accord. Bon, est-ce que vous êtes au courant d'à peu près de ce que savent les médias, là, actuellement ? Non, pas du tout. Bah, on sait un peu, on sait quelque chose. Enfin, on sait que je suis le suspect numéro un, que Abby a sucé le mari du procureur. Donc, j'ai enregistré pas mal de reportages sur, qui parlent de vous trois. Donc, toi, Black, il y a un reportage, bien sûr, qui montre... tes voisins qui montrent tes collègues du bureau. T'as vu le passage de mes fesses ? Non, j'ai vu des amateurs de théâtre aussi qui ont parlé de toi. Faut dire qu'à l'époque où on travaillait ensemble. Putain, c'était une dédicace pour toi, putain, merde, les journalistes font chier. Ah, en tout cas, à l'époque où on travaillait ensemble, tu avais vraiment des capacités à te déguiser qui étaient assez intéressantes pour. Nos missions. Oui, c'est vrai, je me défends. Donc, pour Abby, j'ai Mademoiselle Wilkershire, j'ai un reportage aussi. On voit votre père qui. Donc, il te fait passer, si tu veux, le petit reportage, puisqu'il l'a enregistré. Ok. Et tu vois qu'il y a Roger Wilkershire qui déclare devant les journalistes que sa fille Abby a subi un coup monté et qu'il défendra sa fille bec et ongles. Coûte que coûte. Ouais, coûte que coûte. Ok. Ok, mon gars. Et il a aucun reportage sur Billy. Ah bah bravo. Non, mais il semblerait que M. Patton ne soit pas encore... Et après, tu m'as reproché d'avoir éteint la télé tout à l'heure. J'ai bien fait. Ouais. D'accord, écoute, merci Brill, mais tu nous fais perdre notre temps. J'ai aussi un petit peu surveillé l'investigation du bureau du shérif. Ouais. Et donc, il semblerait donc, que le FBI ait plus ou moins repris l'affaire et qu'il ait en 5 ou 6 suspects, dont bien sûr tous les trois. Ouais. Abby Wilkershire, David Black et Billy Patton. Ils ont le nom et le prénom. Ils sont remontés jusqu'à Billy. Ouais, ils sont remontés jusqu'à Billy, le FBI. On a bien fait ce que... Tu sais comment ils ont fait ? Et c'est indiqué dans leur rapport qu'ils ont deux témoins qui prouvent d'abord qu'Abby a tué Vincent. Et ensuite, qui ont permis de retrouver Billy. Putain, les filles, Black. Elle était sûre. On aurait dû les bouffer, hein. Putain, trop bon, trop con. Encore. Ça. Ah, moi, je reload la game au début. Y a aussi un autre reportage important, c'est la femme de Vincent, ton coéquipier, qui a demandé aux journalistes, enfin, elle a demandé, en fait, en direct, pendant son interview avec les journalistes, à te parler directement pour... Elle est déterminée à trouver la vérité. Elle a demandé par caméra à parler à David Black. Elle a fait une sorte d'appel. Oui. Mais d'accord. Brill te dit que ça sent le piège. Black, tu... Tu vois que tu te rends compte que habituellement quand tu travaillais avec Brill, tu t'allumais une clope une fois que la première heure où tu le retrouvais s'est passée. Ça fait plus de 50 heures que t'as pas fumé, Black, et t'as aucune envie de tu te fous de ma gueule. J'arrête pas de fumer depuis que j'ai commencé ce jeu. C'est clair. Ton personnage. Ah mais j'ai la fumante de dingue depuis le début, mon gars. Tu peux considérer que j'ai au moins grillé un paquet de clopes. Non, t'as aucune cigarette qui a été fumée de ton paquet, Black.
Il les a mangés et vomis en cendres. C'est des cigarettes au chocolat. C'est ça. Bah, il faut que je fume. Mais... Attends, mais ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que je le dise. David, David, oui, il faudrait que tu le dises. Sauf que tu as eu aucune envie de nicotine. Ah oui, d'accord. Depuis que tu t'es réveillé dans le sous-sol, t'as eu aucune envie de nicotine. Et là, ça fait donc une cinquantaine d'heures que remarques que tu t'en passes complètement. Je m'en passe, mais j'aime bien le geste. Alors, si tu veux, tu peux t'en donner une. C'est le mec qui est acharné, quoi, tu vois. Empêche, nouveau, slogan des... nouveau slogan des patchs pour arrêter de fumer. Ah, vous voulez arrêter de fumer? Devenez un vampire. Sucer du sang. Et pas que. Vomissez de la cendre et de la bile. Donc, alors, attends. Donc, tu s'allumes une clope. Ouais, et on s'arrête là. Et du coup, j'ai. Ouais. Je pense qu'on va, on va pas tarder. Mais j'ai, du coup, j'ai oublié ce que tu viens juste de dire là comme information. C'est que Monica Bellhurst a fait une demande en direct. À travers les caméras, elle a fait une demande, elle s'est adressée à toi et elle a demandé à te rencontrer. Mais Monica Beller, c'est ? La femme de Vincent, ton coéquipier, qui est procureur à Denver. Procureur pour la ville. Hein. Oui, bref. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est intéressant, ça. Et Brill t'a dit que ça sentait le piège. Ouais. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'elle voudrait me rencontrer. Ménéric, donc là je te le demande en dehors du jeu. Ok. Est-ce que tu serais chaud pour rentrer dans le jeu? C'est-à-dire que j'aurais envie de travailler en duo avec le Brills et que donc toi tu prendrais le contrôle de Brills. Bah c'est un peu ce qui se passe là. Non c'est un peu le cas, ouais. Oui, mais c'est ce qu'on pourra faire vraiment, tu vois. Genre, parce que là, tu vois, c'est hop là, tu vas nous filer le matériel après terminé, quoi. On n'entend presque plus parler. Ah bah mais... ça, Black qui peut, c'est Black hein, qui peut demander à Brill de vous aider. Hein. Moi je te le dis en dehors du jeu, en dehors du jeu. Tu veux, pas, jeu, tu veux pas travailler avec parce moi que, Billy. Parce que si, mais derrière quoi, je veux dire. Ah je oui, vous, le, oui, mais... je vous le dis en dehors du jeu, Brill il est tellement loyal à David Black que si David lui demande de l'aider à faire le braquage de banque, il participera avec vous. Ouais. Si je lui dis de sauter du pont, il saute du pont. Et que moi, je voulais justement travailler en duo, justement sur cette, cette petite piste-là, comme quoi l'autre pute, là, elle voulait parler à... C'est bon, on a passé l'âge de changer les couches, À la dernière session, Black avait dit, mais c'était en dehors du jeu, mais il avait dit à Billy et Brill, ils s'entendraient bien. Mais en fait, en pensant qu'ils avaient un peu la même activité, les deux personnages, sauf qu'ils sont complémentaires, ils sont pas du tout dans le même domaine, mais... Mais à eux deux, enfin, disons que Brill, ça peut être un atout dans votre équipe de braquage. Oui. Parce que il va déjà gérer les surveillances de caméra. Oui, bien sûr. Peut-être ce serait bien que on puisse, je sais pas, mais qu'on puisse définir un plan avant de quitter, quoi. Non. Donc, ou ça serait trop long. Non, non, non. Brill, il vous dit que déjà au niveau sécurité des caméras. Il peut s'en charger. D'accord. Si vous voulez braquer une banque. Est-ce qu'on a moyen de récupérer le plan de cette banque? Donc déjà, il est OK de nous suivre. Il est OK si tu lui demandes. OK. Donc t'es ma poule. T'es OK pour nous suivre sur ce coup-là? Tu me fais confiance? Bah ouais, disons que là, je commence à avoir plus rien à perdre et je suis prêt à quitter la ville. Donc, bon, un petit... Oui, une petite action illégale avant de partir. Au calme. Je travaille pour la CIA, mais je m'en bats les couilles. Quand il dit ça, à ce moment-là, je jette un petit regard à Abby. Je lui fais un petit clin d'œil. Je lui chuchote. Tu vois, tu pourras le sucer lui aussi, tu verras. Et moi, je me retourne vers Black et... Ouh. Il a un peu défraîchi, ton pote, hein. Il dit que je préférerais juste sucer Nadine. Nadine. Ok. Et donc à la prochaine session, je ferai un jet pour Brill pour voir si il vous trouve d'autres idées pour améliorer votre braquage. Mais c'est d'accord. À vous aussi de gérer principalement quand même le braquage. Ouais. Bah normal. D'accord. Non, bah je pense qu'on est bien là. Putain, on était censé faire le braquage de cette session, normalement. Hein. Ouais, mais avec des histoires de 1. Puis on a commencé plus tard.
On a commencé une heure et demie plus tard. Ouais, mais on est... Ouais. Ouais, bah on a quand même passé... une heure quart plus tard, hein. Ouais, je sais pas, je... Ouais. Ouais, je... Ouais, tout ça à cause de... Mais vous êtes dans la phase 2 du scénario, c'est-à-dire... poursuite par la police, quoi. Ouais. Ah, c'est prévu, en plus. Tout ça à cause des deux blacks. Oui. Qui nous, que on avait complètement pas pensé à les mais garder ouais, sous surveillance. Moi, tu, j'en ai parlé en privé avec Aménric, moi j'y ai pensé aux deux blacks. Ouais. Et même dès le début, Black, dès le début, quand j'ai annoncé que les comptes de Billy étaient bloqués, t'as fait « Ah merde, les deux blacks ». Ah bah oui, ça m'a fait tilt tout de suite. Voilà. C'est à cause des négresses, putain. Ça, je le coupe au montage. Et tu sais, normalement, Ménric, bon, ouais, maintenant, j'espère. C'est fait comme ça, mais oui. Genre, avec un portrait robot, si la personne n'est pas fichée dans la police, ils peuvent pas le reconnaître. Oui, il semblerait qu'il y ait eu d'autres éléments qui aient réussi à ramener sur ta piste. Ouais. Disons que, sûrement, dans la police, il n'y a pas que des bras cassés. Ça, je pense que quand on aura un peu de temps libre, on ira les retrouver, les deux blacks. On ira les baiser. Et puis, on va s'en occuper. On va se la faire, la Orange Mécanique. Alors, Billy... Billy peut les retrouver, les deux blacks. Et Brill peut aussi avoir des informations supplémentaires sur l'enquête. Par exemple, comment s'appelle l'officier qui est en charge de l'enquête. Moi, c'est les suicides, t'inquiète par les deux blacks. Ouais. Bon, déjà, les deux blacks, vous me gelez leur compte. Voilà, vous les foutez dans la merde le temps qu'on s'occupe de leur cas. Voilà, vous hackez leur compte bancaire, vous le piquez toute la thune. Faites tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ça a pris plus de temps que ce que j'avais prévu, ouais. Ouais, c'est fou. Hein. Ah là, je m'attendais pas à la frénésie de qui s'enfuit de l'entrepôt, qui partent dans la rue. Putain, oh, cette suite d'échecs. Ouais. C'est incroyable. C'est clair. Mais je maintiens quand même que moi je trouve que j'ai bien joué quand même. Ah bah oui. Mais ça va les films. Non mais là, non mais déjà parce que mon perso déjà était pas du tout adapté à ce genre de situation. Et en plus, comment il est maigre. Non, parce qu'il est maigre, mon perso, je te rappelle. Il est pas censé pouvoir tabasser deux flics comme ça au calme. Mais les flics, ils étaient encore aptes. Hein. Enfin, jusqu'à ce que tu leur mettes une balle dans la tête à l'un d'eux et que l'autre, tu le vides de son sang. Et, bon, oui, c'est bien ce que je dis. Mon perso est pas apte à faire ça de base. Oui, il a des pouvoirs qui le rendent incroyablement puissant. Bon, j'espère que au prochain épisode, il n'y aura pas un nouveau twist qui va faire que la police nous a retrouvés, qu'on va devoir aller au peep show. Pour l'instant, grâce à Brill, vous êtes en sécurité pendant au moins 7 jours, il vous a dit. Ouais. D'accord. Calm down. Bon, je vous rappelle, et je rappelle surtout pour finir à Abby, que ouais. Même oui. Chez Brill, tu te sens espionné. Observé. Ouais. Mm. Ah putain. Alors, il y a un truc pas normal. Ça, si je le rappelle tout le temps comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une connexion mentale. Il y a une connexion mentale avec le papa. Peut-être. Ouais, oui. Ah, tu regardes trop de films de vampires. Bah oui. Comment c'est une connexion mentale avec le papa, je sais pas comment. Bah, c'est-à-dire que comme c'est lui qui t'a transformé en vampire, vous êtes connecté. Et voilà. Ah, avec Prestor. Ouais. Avec Prestor peut-être. Et du coup, il nous surveille. Et ben voilà, je connais la fin du jeu. Oh là là, Black. Eh bien, tu as tout faux. Et dans cette petite souris qui te suit depuis le début. Bien fait. Pourtant, Brill a un chat. Ah, il a un chat là dans l'entrepôt. Ouais. Je kick le chat. J'espère que personne ne va mordre le chat. Oh putain. Se nourrit du chat, les gars. Eh, il est passé où, mon chat? C'est ce qu'il va falloir faire. Combien ça fait de points de sang? Oui, ça fait un demi-litre, ça. Donc, ça correspondrait à un point de sang. Je sais même pas combien ça fait un chat, hein, mais... Tiens, attends.
petite recherche Google, Billy, petite recherche sur Lycos. Oui. Chat Lycos, litre de sang. C'est quoi Lycos? C'était le moteur de recherche de l'époque. Oui. Désolé monsieur, moi je suis pas de cette époque là. Oui. Alors, la transfusion sanguine chez les chats. Moi j'ai grave. C'est super. Et mais vous pourrez vous dire que vous avez appris plein de choses en faisant du jeu de rôle. Ah bah oui, bien sûr, on apprend tout en s'amusant. Allez, les informations que vous avez quoi. Putain, j'arrive même pas à le trouver. Litre de sang dans le corps d'un chat. Ah, je regarde, je vais foutir. Je fais foutir. Tac, tac, tac. Un chien de 10 kilos contient 6 litres d'eau, dont 1 litre de sang. 1 litre de sang pour un chien de 10 kilos. Eh oui. C'est fou, ça. C'est pas énorme, hein. Donc, c'est-à-dire que on peut boire le sang des animaux du coup. Oui, je pense. Bah, faut essayer. Ouais, comme tu vas nous la faire à la toilette en fait, c'est ça. On va plus pouvoir aller chasser, mec. Non, c'est comme dans Entretien avec un vampire. Eh oui. Non, dans Twilight, ils disent que les vampires qui boivent du sang d'animaux, c'est des végétariens. Ah oui, c'est vrai, ouais. Oui, mais bon, voilà, chacun sa référence. Le bon, mec, il a squatté Twilight. Oui, non, mais... dans Entretien avec un vampire aussi, il le... C'est juste que j'ai une putain de frangine de merde qui voulait le regarder tout le temps. C'est pas gentil. Oui, il garde son humanité. Brad Pitt, ouais. Parce qu'il ne fait que boire des rats. Il mange que des rats, ouais. Bon, j'arrive pas à avoir l'info sur les chats, mais je pense que du coup, ça fait moins d'un demi-litre. J'ai trouvé... Ah, ça fait combien? Alors, il y a 2 litres de sang dans un chat. Dans un rat. Attends, 2 litres de sang? Oui, dans un chat, oui. Bah, alors, comment possible. Ça se fait que moi, j'arrive dans à dire... Dans un chat domestique. D'accord. Et dans un chien... pour regarder... Ah, mais attends, 10 kilos, c'est un petit chien, en fait. J'ai perdu la page. Et voilà, nous avons perdu l'info. Vous n'avez plus l'info. Ah, c'est peut-être là. Tac. Tac. Oui, c'est ça. Un chien. Ah oui, non. Putain. Un petit chien, c'est ça, c'est 1 demi-litre de sang. Et un chien de taille moyenne, c'est 1 litre. D'accord. Mais alors, attends. Donc le chat c'est vraiment que dalle quoi. Non, ouais non, le chat domestique c'est 1 litre aussi. 1 litre, pourtant c'est vachement plus petit. Mm. Ouais mais ça a peut-être... Ça a plus de sang qu'un chien peut-être. Ouais ça a peut-être... Ouais, le chien a besoin de plus d'eau je crois que le chat. Et pour votre information personnelle, un chien peut survivre avec de l'eau salée à la place du sang. Allez. Ah ouais voilà, ça doit être ça ouais. Putain. Je le savais. Donc on les suce, on les lèche et ensuite on leur donne. Non, ils survivent même pas, ça peut remplacer. Juste. Oui. Ah bon? Ouais. C'est pour ça que les chats ont peur de l'eau. Ou n'aiment pas l'eau. Non. Par contre, le sang, c'est bon, ils kiffent le sang. Non, mais sérieusement, pour les chiens, l'eau salée peut remplacer le sang. Ah ouais, c'est incroyable la nature. Ah, et puis ça les rend fous. Mais seulement pour les chiens, bien sûr. Hein. Oui, oui. Ouais, non, je savais pas. Eh bien, nous sommes très contents, voilà. J'espère que Dark D80 et Sanfal sont contents d'avoir appris ça avec nous. Dommage pour Kiriki, elle a loupé l'info. Et Nefarox. Pauvre Kiriki. Voilà, bah, en tout cas, c'était un très bon live. Moi, je me suis bien amusé comme à chaque fois. Bon. Voilà, c'est l'essentiel. C'est cool, hein. Eh oui, exactement, c'est le principal. Ouais. Et donc, on va arrêter le live. Moi, je vais arrêter le live. Non, monsieur. On se dit à la semaine prochaine. Oui, on va continuer l'histoire la semaine prochaine. Et moi, là, je vais reprendre dans quelques minutes. D'accord. Je vais reprendre sur mon abri de Fallout Shelter. Ok. Moi, je vais jouer à Rocket League si tu veux venir à la place de Fallout Shelter. Oui, et en fait, c'est surtout qu'il faut que j'aille voir si mes habitants ne sont pas morts. C'est surtout ça. Si je vais pas vérifier, j'ai des risques de mort. D'accord. Voilà. Ok mon gars. Donc on se fait les bisous.
dit bisous. On s'est fait les bisous. Allez, les bisous.